Bon, alors apparemment, j'ai pas compris ce qu'on avait le droit de faire ou pas faire sur YouTube. J'ai cru que justement, il fallait faire en direct tant qu'on n'avait pas mis l'abonné. Mais en fait, c'est le contraire. C'est tant qu'on n'a pas mis l'abonné, on ne peut pas faire en direct. Bon, je m'étais préparée pour ça. Alors, il y aura plein d'interruptions. Bon, c'est pas grave. On est en live. Voilà. Alors, j'ai pris une feuille quand même, hein. Pas oublier ce que je vais dire. Ah, mais j'aurais pu l'accrocher là-dessus. Pas possible. Alors, mes bien chers frères, si nous sommes réunis aujourd'hui, mais non, je rigole. N'apportez pas, hein. Mais ce serait bête. Alors, que fais-je sur votre écran? Je vais vous partager une aventure. Ça commence bien. Après que je fais de la capuche. Une aventure de 4 mois. Jusqu'au 30 avril. À voir si je continue après. Je me suis inscrite à la Baselworld, l'édition 2020, évidemment, à Bâle, pour ceux qui ne connaissent pas, en Suisse. C'est la foire des échantillons, mais surtout sur l'horlogerie et puis la bijouterie. Alors, je regarde, on doit m'observer, on doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle parle toute seule, celle-là. Alors, le truc qui fait que c'est pas une aventure comme les autres, modestement, c'est que... De 1, parce qu'avec moi, on ne sait jamais ce que ça va donner. Non, ce n'est pas forcément un compliment de ma part sur moi-même. De 2, parce que cette aventure se situe à plusieurs niveaux et sur plusieurs réseaux sociaux sous différentes formes. Oui, je ne tiens pas en place. Je suis malade, à bon entendeur. De 3, parce que je vais me filmer chaque jour et dans diverses positions, alors que je déteste me voir, hein, tout court, ou à l'écran, voire pire à l'écran, parler, et non, parler, non, ça va, ça j'aime bien quand même, surtout quand c'est spontanément. Oula, moi si c'est pas droit, ça va être sympa. Je vais vous faire après un petit tour, hein, parce que j'ai une super caméra là. Ouh, ah non, c'est pas dans mon sens. Voilà, voilà la vue des Pont-Martel, c'est un peu trop rapide. Hein. On va revenir en arrière. Voilà où je suis. Tac. Donc je vais le faire. J'avais dit en live, mais du coup, ça sera pas en live. Bon, c'est presque en live. Hein. Je fais la vidéo, puis après je la poste. Mais voilà. Ouais, du coup, ça va peut-être changer quelque chose, parce qu'il faut que je mette le titre. La personne qui va la voir. Bon. Puis les 1000 vues, bah tu peux y aller, hein. J'ai déjà posté 2-3 autres trucs, ouais, c'est 6 vues, 13 vues, wouh. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, bah, c'est pas grave, hein. En même temps, je fais, et puis je le ferai pour moi, si personne ne regarde. Alors, je vais le faire donc, en live, sans filtre. Et vu que j'ai pas beaucoup d'énergie, si, ça n'a pas l'air comme ça, je ne vais pas mettre en place à chaque fois, donc maquillage, habillage, rangeage, on est d'accord. Parce que sinon, ça va être plus une corvée qu'autre chose. Alors, salut. Alors, pour reprendre le deuxième point, donc c'était, j'ai dit les points dans une pipe, je sais même plus ce que je dis, la perte de poids, j'ai dit la perte de poids. Je me rappelle même pas. Alors, c'est le plus important des points en fait pour moi. Oui, parce que voilà, le but c'est 4 mois quand même. Hein. L'année passée, j'ai réussi à perdre 14 kilos en 3 mois. J'ai réussi à tenir encore 3 mois de plus. Puis après, ben, c'était la dégringolade. Voilà, un petit coup avec le soleil là, c'est magnifique. Waouh, je suis en train de me mouiller total, presque total. Alors, le plus gros challenge, et puis c'est pour ça que, principalement parce que je vais me filmer en fait, parce que je sais que ça touche plus d'une personne, hein, j'ai été coach aussi dans ce domaine, hein, super, c'est le, comment ça s'appelle, le cordonnier mal chaussé. Alors, ah ben non, c'est peut-être pour ça que j'avais pas cité les points. Ah bon. Alors, perte du poids. Je crois que c'est pour ça, c'est parce que j'ai pas encore cité les points. Perdre du poids, je reviendrai sur ce point. Fabriquer minimum 2 montres à présenter là-bas. Trouver des dessins pour les mettre dans les montres. Puis les dessiner, évidemment.
créer une BD explicative à présenter là-bas, comment ça s'est passé, etc. La genèse. Éventuellement, parce que ça je peux le faire après, lancer une ligne de robes et foulards parce que je devrais y aller habillée et puis que je vais pas y aller habillée avec des habits normaux. Évidemment, on peut pas faire les choses simples. Alors j'aimerais ma propre robe, mon propre smoking. Voilà. Alors je crois qu'on a fait le tour. Je reprendrai la suite dans le prochain épisode, que peut-être personne ne verra, apparemment. qui commencera direct avec retrouver ma forme physique et ma propre présentation, vu que vous ne savez rien de moi, à part sur d'où celle-là. Voilà. Alors à plus tard.